Zemzem, l'eau bénie. Avec des cœurs ardents, ils attendent la venue d'un visiteur béni. Porté par la mer, l'espoir pousse le navire et la patience guide sa trajectoire. Et tout au long de l'année, des gens se remémorent les souvenirs des pèlerins qui s'étaient dirigés vers la maison sacrée d'Allah. La ville entière se prépare à recevoir les ambassadeurs d'Allah, tous de blanc vêtus. Un hommage qui leur est rendu par le Seigneur des mondes. Regardez ces jeunes gens qui cherchent le nectar de l'âme, qui cherchent à s'abreuver du plus grand des puits. Les pères et les grands-pères ont appris de leurs ancêtres que c'est le meilleur nutriment. Le remède des maladies est le mystère de l'histoire lointaine. Quelle est l'histoire de Zemzem, le grand miracle divin? Une histoire étonnante faite de dons et de sacrifices, dont les événements se déroulent entre les profondeurs de la terre et l'immensité du ciel. La scène est un désert aride, dans une vallée sans aucune végétation. Voici Agar qui se sert de ses mains pour rassembler et retenir l'eau jaillissante. Qu'Allah bénisse la mère d'Ismaël. Si elle avait laissé l'eau de Zemzem s'écouler, elle serait devenue une source abondante. L'ange Djibril s'est approché. Puis le grand puits a jailli. Supérieur à tous les autres. Un miracle qui restera à jamais, revivifiant la vieille tradition. Son eau est si pure que la boire est une adoration pour le musulman, une guérison pour le corps, une purification pour l'âme et un désaveu de l'hypocrisie. Un breuvage béni d'un Seigneur miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam la bénit encore plus avec le toucher de ses lèvres, cette même eau qui a servi à laver son cœur dans un récipient d'or. C'est un don divin pour les dévots, une eau qui ne s'épuise jamais ni ne se dessèche, la rassasiante. Si vous avez faim, soyez son invité. Celui qui en boit régulièrement ne souffre ni de la faim ni de la soif. Ô Zemzem, quel puits merveilleux! Un miracle intemporel et éternel. Seulement 21 mètres séparent la Kaaba du puits de Zemzem. L'embouchure du puits se trouve sur la zone de Mataf, parallèlement à la pierre noire. Il possède deux sources qui alimentent son eau pure. L'une arrive du côté de la Kaaba et l'autre arrive du côté de la montagne Abu Qubays et du mont Safa. Ce puits et mérite est toujours propre, sans mousse, ni insectes, ni champignons ou autres contaminants inhabituels de l'eau. Par la grâce d'Allah, l'eau fraîche de Zemzem ne cesse de s'écouler. À raison de 11 litres par seconde au minimum.
et 18,5 litres par seconde au maximum. Ce qui est étonnant, c'est que ce puits si prolifique se stabilise autour de la Kaaba, sous une profondeur de 31 mètres seulement. Le voyage de l'eau bénie commence par le pompage de l'eau directement du puits, à l'aide de deux énormes pompes à eau, fonctionnant en alternance 24 heures sur 24. Peu après, l'eau pompée est envoyée vers le projet du roi Abdullah ben Abdulaziz pour l'eau de Zemzem à Koudeï, par des canalisations spéciales pour maintenir ses caractéristiques uniques. Une eau claire et cristalline est en route vers les cœurs de ceux qui en demandent. Quant à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'eau de Zemzem y est transportée dans des camions-citernes aux normes spécifiques. Les couvercles et leurs valves sont solidement verrouillés pour préserver l'eau de tout élément extérieur. Personne ne peut les déverrouiller à part un employé spécifique de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Habituellement, 150 000 litres d'eau sont transportés par jour. Mais ce chiffre passe à 400 000 litres par jour pendant les événements religieux. Les processus de prélèvement et de pompage de l'eau et le contrôle des pipelines et des camions-citernes par la technologie de la fibre optique sont tous réalisés à l'aide du système de haute technologie SCADA. L'eau bénie est fournie aux deux mosquées sacrées, dans 40 000 conteneurs stérilisés et réfrigérés, soigneusement distribués dans les différentes allées et couloirs. Les récipients sont préparés à différents points de remplissage à l'intérieur de la grande mosquée et de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont ensuite transportés sur des véhicules électriques vers leur destination à l'intérieur et aux alentours des deux mosquées. Pour leur confort, les visiteurs peuvent boire de l'eau fraîche ou non. Et pour des raisons d'hygiène, des gobelets en plastique jetables sont fournis. Environ 2 millions de gobelets à usage unique sont utilisés quotidiennement afin de veiller sur la santé des pèlerins et des visiteurs. Les couvercles des récipients sont soigneusement verrouillés pour éviter toute altération ou contamination par des microbes ou par de la poussière. Des étapes prédéfinies de lavage et de stérilisation régulière et professionnelle, des conteneurs sont effectués dans des lieux spécifiques à l'extérieur. Des fontaines fixes sont placées à chaque étage et dans toutes les cours à l'intérieur et aux alentours de la grande mosquée de la Mecque et de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. Des réservoirs d'eau fraîche supplémentaires sont mis à disposition pendant les événements religieux. Pour le confort des visiteurs, le sabil de Zemzem, lieu situé sur le côté est de la grande mosquée, est dédié au remplissage des jerrycans d'eau afin d'atténuer la foule dans et aux alentours de la mosquée. De nouveaux conteneurs portables ont été introduits pour fournir de l'eau aux endroits très fréquentés comme le Mataf. En outre, la présidence des affaires des deux mosquées saintes fournit de petites bouteilles d'eau filtrée qui sont distribuées autour du Mataf aux occupants de la première rangée de prières, ainsi que dans la zone dédiée à la prière funéraire. La consommation journalière de l'eau de Zemzem dans la mosquée est estimée à 700 000 litres par jour. Mais ce chiffre atteint 2 millions de litres par jour durant les événements religieux. Des échantillons aléatoires d'eau sont prélevés dans les conteneurs, les fontaines et les citernes, 24 heures sur 24,
afin de vérifier que l'eau est exempte de contaminants, d'impuretés et de bactéries. Jusqu'à 100 échantillons sont prélevés chaque jour pour être testés dans un laboratoire dédié à cet effet. Quel merveilleux voyage! Il demeure cependant une question importante à poser concernant la centrale qui dirige le grand projet de distribution de l'eau de Zemzem. En 1431 du calendrier égyrien, qui correspond à l'année 2010 du calendrier grégorien, l'inauguration de la centrale du roi Abdullah ben Abdulaziz dans la zone de Koudeï à la Mecque a marqué une percée dans le projet d'eau de Zemzem. À travers cette installation, les gens ont été soulagés des efforts pénibles qu'ils déployaient auparavant pour avoir accès à la meilleure eau du monde. De nouvelles mesures de sécurité exceptionnelles sont désormais en place pour garantir que l'eau bénie est à l'abri de la contamination et de la falsification. Elle sera désormais mise en bouteille automatiquement, conformément aux normes internationales relatives à l'automatisation. Le projet comprend un entrepôt central automatisé pour stocker et distribuer quotidiennement 1,5 million de bouteilles de 10 litres. Le projet a aussi permis de lever la pression et éviter les foules grâce à des lecteurs de code-barres qui ont été mis à disposition pour lire les reçus et distribuer automatiquement les bouteilles d'eau. Enfin, il convient de souligner le rôle des sages dirigeants du royaume, qui n'épargnent aucun effort et cherchent toujours à utiliser les dernières technologies afin de conserver l'eau de Zemzem dans son état originel et non polluée, et de la rendre accessible à tous les musulmans du monde. Cela ne pourrait pas être réalisé sans les efforts louables des responsables et des travailleurs des deux mosquées saintes, qui réalisent cette tâche colossale à laquelle ils consacrent leur vie et leur expérience. Voilà donc les choix des responsables, des travailleurs, des superviseurs et des employés, qui ont donné un excellent exemple de diligence et de sincérité à tous ceux qui prendront plus tard part à cette grande responsabilité. Le messager, paix et salutations d'Allah soient sur lui, a dit à propos de Zemzem: « Elle est certes bénie, elle est certes un nutriment complet. »